Aujourd'hui, nous parlerons d'un événement véritablement passionnant. La révolte des gobelins de 1752. Son apogée et son déclin. Mais nous examinerons surtout l'effet dévastateur qu'elle a eu sur l'industrie céréalière des sorciers. Nous connaissons d'ailleurs le nombre exact, 632. Mais l'histoire se déroule hors de la salle de classe. Et regardez, c'est l'heure de ma promenade. Impossible de ne pas sentir toute l'histoire qui circule dans Poudlard. Je crois que le professeur veut qu'on le suive. Dirigeons-nous maintenant vers le hall d'entrée de la tour de la cloche. Tout comme le... Ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la magie sont condamnés à la répéter. Ou au moins à repasser le hall et les deux clochers qui le surplombent renferment une myriade d'artefacts intéressants. C'est bon de vous revoir. Vous avez réussi à venir à bout de cette dragoncelle, je vois. Vraiment. Je ne doute pas que mes analyses sur les divers décrets... Non pas que tous les gobelins soient belliqueux. Certains se... Vous avez dit Bragbor? Un forgeron réputé. Où en est-il? Revenons-en à notre sujet du jour. Les élèves curieux pourront le trouver exposé ici, dans le hall d'entrée de la tour de la... Rébellion. Je recommande à tous les élèves de s'adapter à ce héros de Poudlard. Excusez-moi. Ah oui, Grimba. C'est une relique fascinante. Quoi qu'il en soit, il... Rod m'a l'air fort sympathique. Mais de là à dire que c'est... Ah oui, je vois que vous avez trouvé Grimbald Brod. Oui, ça m'a bien plu de le chercher. Le frisson de l'érudition. Un sentiment que je connais bien. Bien, intéressons-nous désormais à la gentillesse et au bon caractère de Sœur de la Mare. Il n'est pas loin non plus. Votre devoir consistera à en apprendre davantage sur lui. Une troupe de fiers chevaliers monte à tout jamais la garde sur la tour de la... Rébellion. Enfin, des statues de chevaliers. Ces morceaux de balais sont tout ce qu'il reste d'une sorcière du nom de Selene Wattmore. Apparemment, elle faisait une démonstration expérimentale de son sortilège de transplanage lunaire. Dans leur rang. On ne l'a plus. L'histoire de Ouagadou est bien différente de celle de Poudlard. Sa réputation ne s'est pas forgée sur cette des ennemis vaincus de plusieurs en combat singulier. Représente comme chasseur de souris téméraire et compagnon d'études dévoué. Révelio. Chaleureuse et affable était appréciée de ses plus vieux. Professeur Beans, j'ai trouvé la statue de Sœur de... Bravo! Hélas, l'amabilité de Sœur de la Mare... Il était tellement apprécié de tous que... Bien entendu, cela fut vu d'un mauvais œil par le reste des... Dommage que les gobelins et les sorciers ne s'entendent pas. C'est vrai. Mais... l'histoire attendant, les élèves...